J'étais toujours en équilibre, ma vie a été beaucoup plus longue. Le reste est ce que je recherche et j'entends beaucoup de bruit. Ah, ça c'est grise zone. Stond ik altijd in balans, dan was mijn leven veel te saai. Rust is wat ik zoek, maar ik hoor vaak te veel lawaai. Ça c'est les premières quatre phrases de mon album. Wow. Si j'étais toujours en équilibre, je crois que tout doit être hyper boring. Moi j'aime bien que... Où ça doit être rien ou tout. Il n'y a pas de grise zone. Il n'y a pas de zone grise chez moi. Rusti soit d'Iksouk, Marie Corvac, te veux lawaï. Je cherche souvent des trucs pour être calme, mais j'entends beaucoup trop de bruit. Ici en ville, il y a trop de bruit. Et aussi beaucoup trop de musique très pourrie. Désolé. Ma voix n'est retrouvée que si j'ai perdu de l'efficacité. T'as vu que Nick Sagan, hein? Non. Mon weg est parce que vende. Als ik even ben verdwaald. Ah ouais. Paradoxal. Paradoxal, exact. Moi j'ai trouvé mon chemin dès que je suis perdu. Oh, y a plusieurs choses hein, qui. Pourquoi on suit toujours le chemin sur un putain de. GSM, Google Waze? Avant, il n'y avait pas ça. Tu regardes sur la carte, tu trouves ton chemin. Dès que tu es perdu, tu parles avec les gens. Les gens, ils parlent plus. Il faut parler avec les gens. Il faut trouver le chemin. Il ne faut pas toujours regarder ton téléphone. Deux, mon chemin, ce n'est pas moi qui va l'écrire, qui va le choisir. C'est le destin qui va décider où j'y vais. Pour ça, il faut... comment on dit ça, verdual? Se perdre. Il faut se perdre de temps en temps pour retrouver toi-même. Troisième ou quoi? Next one. Putain, mais c'est chaud, hein? Ce Google Translate, c'est de la merde. Fais partie du problème. Mange du poisson et beaucoup de viande. Deel van het probleem. Eet vaak vis en te veel vlees. Vlieg over in de wereld. Alsof dat het mij niks scheelt. Si j'ai bien compris, manger la viande et du poisson, c'est pas très bon, ce qui paraît. Pas tous les jours. Pour le climat, donc j'avoue et je le dis, ouais, je suis une partie de la problème ce que les gens ils veulent créer autour de nous, ou probablement c'est vrai. Flieg over heel de wereld alsof dat het mij niks scheelt, que je prends des vols partout dans le monde comme j'en ai rien à foutre. Et voilà, pour moi c'est un petit, je l'ai dit, voilà, et maintenant je fais ma vie parce que je vais pas arrêter. J'aime bien manger de la viande, du poisson, prendre l'avion pour aller en congé. Mais, ik ben er mij bewust van. Je sais que ça va créer un grand problème. Ou que c'est déjà un grand problème. Et tu parles beaucoup, mais beaucoup de bouffe. Dans ce disque. Blindé, hein? Ouais. Je cherche à chaque moment, je cherche des mots en français, néerlandais, italien, j'en ai rien à foutre. Allez, qui a rappé sur le Kobe Beef? Qui a rappé sur les fines de Claire, les creuses, le plate oosters? Ouais, je trouve ça très cool. Ça me donne faim. Ouais, j'étais cuistot hein, pendant 2 ans et demi. Et mon père, c'est un boucher, il m'a toujours appris à cuisiner. Je vais pas acheter ma viande dans le Delhaize, pour donner un exemple. Dans le Lidl ou le Aldi ou le Colruyt. Hein, comme ça, j'ai pas créé de concurrence. J'essaye d'acheter des trucs honnêtes. Hein, je veux dire, chez le boucher... ce qui est très difficile de trouver des bons bouchers encore. Donc je préfère avoir un peu moins, mais top. Un jour je ne fais rien. Un jour qui doit venir. Een dag dat ik niks doe is een dag die nog moet komen. Qui de man van doen en niet zozeer de man van worden. Ouais. Un jour que moi je fais rien, ça doit encore venir. Même quand je suis mort de mort, quand j'ai la gueule de bois, je veux dire. Je vais toujours faire quelque chose. J'ai créé cet album sous pression. J'aime bien quand il y a une pression. Moi, je dois toujours faire quelque chose.
Moi, j'arrive pas, même en congé, j'arrive pas à faire rien. Un dagladik un. Ouais, je travaille toujours. Ici, dans ma tête. Tu peux aussi travailler ici, hein, beaucoup. Tu te reposes. De temps en temps, il faut reposer ton corps, mais ici, ça bosse. J'écris mes idées, j'écris des mots. Quand je vais chier, je rime. Hein. Je prends mon téléphone, je mets une prod, j'écris deux, trois lignes. Partout, dans le bus. Ça, c'est travailler pour moi. Mais dans le morceau, tu dis Guineman van Doud, Nizozer, Man Van Drome. van Drome. Ouais, là, j'ai menti, mais c'est juste pour rimer. Masque, on coupe ça. Avec ça, je veux quand même dire que il faut le faire. Il faut. Tu vois, oh, je voudrais très bien avoir ça. Ah ben, tu vas travailler pour ça. Ou, hein? Je me dis, Drome, dreams, des rêves, ils sont très importants, bien sûr. Ça ouvre ton esprit, mais à un moment donné, quand tu veux vraiment, il faut y aller. Et moi, je donne tout. J'ai déjà eu mes rêves. Moi, je voulais devenir rappeur. Et puis maintenant, c'est à moi à le faire. Beaucoup de succès est un couple de cas de circonstances. Non, Il veut le succès, c'est une somme nous avant tout, en Ah ouais, mais ça c'est dir... ouais, ça c'est dir de Wachter. Eh ben, je trouve qu'il a raison. C'est comme ce qu'on disait là tantôt de ma vie qui se passe gefunden, ainsi que Elf et Ben Verdwald. Je dois me perdre pour trouver des autres opportunités. Un Elf d'Argelec. Je trouve, on peut le dire, j'ai assez de succès cette année. En avril, on n'avait jamais cru ça. C'est l'hasard qui m'a ramené ici. Et mon boulot. Ouais, c'est pas que j'ai gagné le loto non plus, hein. J'ai juste mis mon âme dedans. Et mon art, c'est mon arme. Je le baisse, tous ces politiciens de merde. Comment est-il qu'il n'y a plus d'imposition? Je suis simplement si tout fonctionne bien. Komt het dat er niks meer in de weg staat? Ik ben het niet gewoon als alles goed draait. Is er iemand die me helpt als het misgaat? Of eindig ik op straat of in een misdaad? Hein? Encore une fois. Hoe komt het dat er niks meer in de weg staat? Comment ça se fait qu'il y a plus rien dans le chemin? J'ai pas l'habitude quand tout va très bien. C'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai jamais eu un petit problème. Un petit ou un grand ou plusieurs. Et je crois que la vie sans problème, c'est impossible. Ou sans doute. Ça, c'était dans une période après tous les festivals. Où tu as, de temps en temps, j'ai joué devant 20 000 personnes. Tu dis, waouh, toute cette énergie. Mais à la fin, tu rentres chez toi et tu es tout seul. Ma femme était partie en congé, moi je suis seul. Et tu te dis, ouais, là tu retournes en toi-même. Et j'avais reçu une prod hyper deep. Et la prod a sorti ces mots de moi. Tu vois, je reçois plein de gens autour de moi qui me disent hey, maintenant ça marche. Hein? Et moi j'ai dit mais putain, pour moi ça a toujours marché. J'étais toujours content avec mes potes. Il n'y a rien qui a changé pour moi. C'est juste la musique est beaucoup plus écoutée et il y a des festivals qui me bookent que j'adore. Mais le succès, c'est quoi? Je suis musicien. Ouais, c'est difficile à expliquer, mais. C'est pas que ça ne change rien, c'est que c'est même devenu un problème, quoi. Ouais, quand même. Dans ma tête. J'ai peur de perdre des gens autour de moi à cause de succès. Et j'en suis sûr que ça va se passer. J'ai retrouvé ma mère, par contre. Pour donner comme quelque chose de positif. J'ai revu ma mère après 5 ans. Ça, c'est cool. Par contre, mon père, là, maintenant, il trouve que je ne vois pas assez. Il y a toujours quelque chose. Parce qu'il dit, ouais, je suis très content que tu fais ça avec ta musique, mais t'as plus le temps de me voir. Et c'est ce que je voulais dire, tu vois. Ouais, voilà. Lui, il le met sur le succès, mais je fais, non, c'est pas le succès, c'est moi qui travaille. C'est le seul truc que je veux faire. Devenir le meilleur. Avec ma langue. Hein. Dans l'hip-hop néerlandais, j'ai quand même une ambition. Hein. Mais le succès, c'est quelque chose de dangereux, je crois.
L'argent aussi, ça peut changer les gens. Tu commences à penser autrement, tu vois les trucs autrement. Donc c'est pour ça que je rappe de ça. Je les apprends par cœur. Je vais rapper ça sûrement 50 fois sur les shows et les radios. Et ça va me toujours repenser à faire, hey, reste toi-même, faut pas changer. Putain, putain, le Guy à la haine. Il obtient le disque de ses racistes et politiciens. Putain, putain, d'air et dénique aussi bien que succès de ses cuissons et qui est souraine certain. Putain, putain, de qui est la haine, un cracked sketch en dire raciste et n'en dit politicien, soit putain, putain, de risnik so bien, dans te slagen op une bac, c'est d'adis sûr et certain. Donc, putain, putain, le Guy a la haine. Je suis fan des racistes et des politiciens. Tous ces racistes et ces fachos et ces politiciens me font chier blindé. Putain, putain, de risnik so bien, il n'y a rien que si bien que donner des patates sur leur gueule et se battre avec ces bandes de cons quand ils n'écoutent pas. Voilà. C'est très, pas très intellectuel de moi, mais je crois que c'est un message. Quand tu regardes ce qui se passe en Flandre, c'est scandaleux. Quand tu regardes ce qui se passe à Bruxelles avec la PS depuis 20 ans, c'est scandaleux. C'est la mafiosi. Donc en fait, aucun politicien presque fait quelque chose de bon pour nous. Ils font du cinéma. Moi, je suis là pour faire le cinéma. Vous, vous êtes là pour créer des choses pour nous. Ouais? Donc, allez, pour, pas des choses, pour créer, donner des opportunités. Eux, ils vivent de notre argent. Il ne faut pas oublier, être politicien, c'est le seul job que tu peux faire sans avoir de diplôme presque. Hein? Allez, surtout sur cette level-là avec ce fric. Donc en fait, pourquoi on téléphone pas Brad Pitt de devenir Premier ministre ici? Ça va nous coûter blindé, mais comme ça, il y a un acteur à la place de toute cette bande. Je m'excuse, mais là, je suis pas d'accord. Et puis, droite est scandaleux. Ce qui se passe là, en Europe, dans le monde, presque partout, c'est... Ça fait peur. Ils essayent de nous diviser en deux. Quand tu regardes la Wallonie, quand tu regardes la Flandre, puis Bruxelles, on est là sur notre île, hein, dans notre jungle en béton. C'est quand même spécial. Ils essayent de nous diviser, ça va pas. Putain, putain, c'est aussi une référence à Arnaud. C'est une référence à Tissimatic. Exact. Tu es le Arnaud du hip-hop belge. Eh ben merci. J'espère que je vais finir comme lui. Dans un bar, toujours avec un vin rouge, mon pote là. Non, mais il est dans mon cœur. Bientôt, on fait un concert ensemble aussi. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux utiliser ce putain, putain, bien sûr. Parce que, ouais, je crois. Ben sinon, je pourrais avoir des problèmes, je crois. Merci à tonton.